venez-vous? Enfin pouvoir se protéger du soleil. Vous avez besoin de... Comment ça? Je vous retourne la question. Désolé. Tous ces lâches qui se moquent de mes efforts m'ont mis sur les nerfs. Bon. Je peux bien tout vous raconter. Vous m'avez l'air plutôt honnête. Je m'appelle Rallis. Rallis Sedaris, de Long Sanglot. Un commanditaire attend mon retour sur le continent. Il m'a envoyé ici dans le but de récupérer des artefacts antiques, les reliques d'Azidal. Malheureusement, l'expédition a très rapidement tourné au désastre. Quand on s'aventure dans le désert de cendres, il faut être préparé au pire, pas vrai? Mais ça sortait complètement de mon domaine d'expertise. Quand je suis arrivé à Kolbjorn, le tertre n'était même pas visible. Comme tant de choses sur cette île, il avait totalement disparu sous la cendre. J'ai dû en retirer une quantité incroyable juste pour retrouver la structure. Qui sait combien il va encore falloir creuser pour atteindre la porte? Les fouilles ne sont pas vraiment ma spécialité. Et même si c'était le cas, les tempêtes de cendres rebouchent le puits plus vite que je ne peux creuser. J'ai l'air d'en avoir les moyens. Je ne suis payé qu'à... C'est toujours pareil. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir en gagner. Comment? Vous dites ça sérieusement? Eh bien oui, je pense que nous pourrions nous entendre. Nous réglerons les détails de notre accord plus tard. Pour l'instant, on va dire que je m'occupe des fouilles et vous du financement. Vous avez l'or? Mais vous pouvez les trouver, je sais, Je connais la chanson, pas la peine d'en dire plus. Revenez me voir quand vous serez enfin capable... Je commence à comprendre pourquoi on m'a toujours... Essayez d'éviter les ruines de ce genre.
qui va là. D'où venez-vous? Je suis pas du genre. Parfait. Je commence sa traduction. Je ne devrais pas en avoir pour plus d'un jour ou deux.